amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va vous présenter une petite pépite puisqu'il s'agit donc d'une 540i mais qui a eu une grosse préparation avec un kit complet full M5, on dirait de toute façon une M5, que ce soit des gens, du kit, du compteur, de l'intérieur. Donc vous allez voir que c'est vraiment une belle pépite. Et comme d'habitude les frérots, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Et moi ça me donne toujours le peps pour aller vous chercher justement ce genre de petite pépite. Mon frérot Yaya. Oh, c'est le Samir, je t'avais pas vu. Comment tu vas? Bah ça va, nickel, impeccable. Bah écoute, moi je t'avais pas vu mais je t'avais entendu par contre. C'est vrai? Ouais, tu sais, j'étais en train de faire un petit tournage. Et là, vous êtes arrivé en bande et j'ai reconnu le bruit de ton V8. Voilà, qui est si sympathique. Ça prend les tours, ça va un petit peu. Voilà. Ouais. Déjà, Yaya, est-ce que tu peux présenter un petit peu ton activité professionnelle? On y est. Bah merci, bah c'est Général Autobahn, voilà. Okay. Facebook, Général Autobahn, Snap, Général Autobahn. Et vente, véhicule neuf, occasion, donc tous les véhicules sont entièrement révisés. Livraison en ce moment, offerte à domicile. Propre, si souhaitez, très bien. Et moi je suis intransigeant sur les antécédents des voitures. Tu es un maniaque dépressif, je t'ai acheté déjà des voitures. Je t'ai déjà acheté des voitures. Et je t'ai récupéré une voiture aussi. Et tu m'as récupéré une voiture. Exactement. Et je peux que te conseiller, c'est pour ça que je te propose là. Parce que je sais que tu es quelqu'un de droit et de maniaque avec les voitures. Donc voilà, donc les frérots, si vous avez une caisse à acheter, dépôt, vente, quoi que ce soit, vous le contactez sur les réseaux, il n'y a pas de souci. Même si vous avez besoin de renseignements, c'est avec grand plaisir, la passion avant tout. Hein, merci mon frérot Yaya. Avec plaisir, merci à toi. Bon, pour en revenir sur ton bébé, que j'aimerais bien acheter, hein, mais bon, on s'est pas entendu. Qu'est-ce que tu peux me dire de plus? On va s'entendre. Alors à la base, cette voiture, c'est quand même une longue histoire. Ouais. Mais c'est ça qui fait son charme et qui est intéressant au final. Ok. Cette voiture, à la base, de ce qu'il en reste, c'est un 540i E39 de 98. Donc bon, c'était envoyé 2-3 images, je pense que les amateurs de 39 vont voir que ça colle pas trop, l'année et tout. Ouais. La voiture a été envoyée en Allemagne, je pense que c'est 2003-2004 par l'ancien propriétaire évidemment, à l'usine BMW à Munich. Okay. Donc la voiture, elle a été désossée complet. Ouais. Après, il a envoyé un préparateur, bon je pense que c'est comme nous les Français, Et c'est-à-dire que maintenant, il y a tous les trains roulants de la M5, toute la caisse est en PowerFlex. Freinage M5, boîte de vitesse M5, donc c'est boîte méca, hein, M5. Ça c'est beau, voilà, encore à l'ancienne. Pont autobloquant M5, freinage amortisseur, tout, freinage durite aviation, et le moteur, en fait, ils sont restés la base du 540 du 4x4, ça a été ouvert en deux. Ok. Et tout le bloc, hein, joueur, bracam, pompe, il y a tout, vraiment la totale. D'accord. Et ça marche, c'est pas mal. Ça marche pas mal. Ouais, pour s'engager sur l'autoroute, c'est ça. C'est pas si mal. Et niveau esthétique, est-ce que tu peux nous refaire un petit point? C'est donc, tout de la M5. Ouais. Tout de la M5 E39. Donc okay. C'est une phase 1, c'est un M5 E39 phase 2. Ouais. Alors la calandre, désolé les puristes, Serge l'avait dans le garage, l'ancienne était morte. Ouais. Donc bon. Avec les doubles comme ça, ça fait un peu plus série F. Voilà, c'est ça. Pour les puristes. Donc, on n'est pas trop dans les tranches d'âge, mais. Ouais, tout à fait. Donc, le logo, pareil. Alors, elle n'est pas finie la voiture, malheureusement. Ouais. Et. Je t'ai cassé la tête pour la tourner. c'est un grand plaisir. Ben ouais. Ben, elle a 23 ans, j'en ai 24 et elle tient la route. Et c'est pas une voiture de parking, c'est une voiture qui roule. Elle est vraiment sublime. Regardez les amis. Jusqu'au détail, de toute façon, là on a des vrais jantes M5. Bon, là c'est les vrais. Sans frérot, on sait que c'est devenu introuvable et hors de prix. Ouais, tu sais, je vais te dire un truc, jantes, combien ça valait ça à l'époque? Les dernières que j'ai eues de jantes comme ça, il y a 13 ans, ils avaient vendu 450 euros les 4. Ouais, maintenant, c'est 1500 euros minimum et il faut les trouver encore. Après, seule petite critique, hein, que j'ai sur la voiture. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Je sais. C'était déjà comme ça. Voilà, on le précise bien. Voilà. Là, ça, c'est vrai que on est. Ça, c'est sur la E60. Voilà. E60, la E39 n'a jamais eu de gris comme ça. C'est le seul petit défaut que j'ai à lui reprocher. Sinon, regardez, on fait un petit tour. Hein. Voilà, les baguettes voiture, M5. Je vais récupérer. Elle est telle qu'elle esthétiquement. Ouais. Les rétros. Vous voyez, regardez, les rétroviseurs M5. On a forcément donc un Shadow Line donc en noir brillant qui est très joli. Regardez donc les véritables donc jantes M5 avec plus de déport à l'arrière, hein. 275 35 18. Voilà. Après quand on regarde à l'arrière donc les phares donc de phase 2. Donc, voilà, ça lui donne à la E39 un côté donc beaucoup plus jeune, hein, beaucoup plus neuf. Bon, elle a été siglée M5. Je sais que là
C'est un. Là, tu sais que le puriste, il va laisse, te dire. Oui, je sais, je laisse, mais bon, elle est dans son jus et. Mais en tout cas, ouais, avec les petites sorties aussi, regardez les frérots. Voilà, on dirait vraiment une M5. Hein. C'est vrai que ce soit la sonorité ou de l'extérieur, on peut vraiment croire que c'est une M5. En tout cas, il y a eu un beau travail qui a été fait dessus. Ouais, vraiment, ouais. Ben, surtout que ça a été fait, c'était dans les années 2003-2004, si je dis pas de bêtises. Ouais. À l'époque où ça valait quand même un billet. C'est et ça. Du coup, ça lui est revenu quand même pratiquement plus cher qu'un M5 au final. Ouais, c'est clair, c'est vrai. Surtout à l'usine, ça a été fait. Donc, BM, vous connaissez hein, les tarifs. Hein, vous venez prendre vidange. Vous payez le tarif pour la blondinette à l'accueil. Tout donc, à fait, tout voilà, à fait. Je la connais bien d'ailleurs, la blondinette de l'accueil à Nîmes, je la connais très très bien. C'est une bonne amie qui est très gentille. Ouais, poulet, qui est très très gentille. Et du coup, voilà. Bon, il y a les petites pièces, c'est compliqué des fois à trouver. Ouais. Notamment des fois les poignées. Alors j'ai la poignée qui m'est restée dans les mains, ça. Les... Classique. Hein. Voilà, de 39, ouais, c'est rien, la base. Ça. Et impossible d'en trouver une avec l'ampoule à l'intérieur. Et t'as pas regardé celle de 38? Non, j'y ai pas pensé. Eh ben regarde, parce que à mon avis, c'est les mêmes. Je vais regarder. Certains. Ah, je vais jeter un coup d'œil. Voilà. Certains, mon frérot. C'est vrai? Vas-y, alors, je vais regarder. Donc voilà, les amis, la pièce d'orfèvrerie, hein, notre fameux V8. Voilà, donc c'est vrai que c'est un très beau bloc. Donc, mon frérot, qu'est-ce que tu peux me dire sur ce moteur? Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est que je ne sais absolument rien. Voilà. Ok. C'est pas moi qui ai démonté le moteur. Voilà, ça a été fait, encore une fois, je vous redis, par l'ancien propriétaire. Ouais. Voilà, ça marche bien. Niveau puissance, alors je ne l'ai pas passé au banc. Justement, je voulais te demander. Des petits tests, évidemment, sur Autobahn. Hein, d'ailleurs, ouais. On va y aller dans pas longtemps. Tout à fait, tout à fait. On est à 1000 bornes, donc c'est pas loin. On y va, c'est vite fait avec cette voiture, on sent rien. Et en venant justement de Marseille à Nîmes, on a fait un petit détour par l'Autobahn, ce qui est logique. Ouais, bah oui, on a côté. Contre un RS3, bah, c'est devant. D'accord. C'est devant, donc après, voilà, avoir tu dois avoisiner vraiment les 380-400 chevaux, ouais, à mon avis, facile. Je pense à moyen. Donc voilà, donc il n'y a pas de cash, il n'y a pas là. Ça, c'est le petit côté carton à pizza, ce qu'on aime. Voilà. Ok. Et donc voilà, après. Après, sinon, en termes de maladie, t'as jamais eu de problème dessus? Non, bah après, joint de cache-cubuteur, donc je l'ai, pareil, il faut que je le monte. Hein, c'est comme la vitre, il y a toujours des petits trucs, mais ouais. Ça, c'est rien. Une petite bricole. Filtre air, moi j'ai rajouté un KN. Ok. Il y a une admission en plus. Ouais. Après, voilà, je pourrais pas vous dire tout ce qu'il y a dessus, mais après il y a rebraquable, pompe, il y a tout, absolument tout qui a été revu, mais alors de A à Z. Et voilà, mais ça marche plutôt pas mal quand même pour une. Et vraiment, pour le poids d'une série 5 qui est pas forcément excessif quand on compare par exemple à une Audi A6, un classeux. Et le poids il est très très bien réparti, bah c'est 50-50 BM, c'est ça aussi. Mais après frérot, tu as tout dit, hein. Ouais, on voilà. Est sur BM. On est sur BM, voilà, on n'est pas sur, alors désolé la communauté, mais c'est pas grave, c'est, on n'est pas chez Mercedes, voilà, parce que pour moi, Mercedes, voilà, je me dis, c'est comme le Paris Saint-Germain, voilà, c'est le Qatar, il n'y a que de l'argent, il n'y a pas d'âme, voilà, à part les anciennes Merco. Attention. Ouais, les anciennes quand même, oui, oui. Voilà, moi chez Merco, la C63, ça va. Moi chez Mercedes, c'est la C63. Oui, voilà, ça passe. La C63, après, c'est une vraie Merco. C'est une belle voiture, mais il n'y a pas ce charme, il n'y a pas ce... Et pourtant, je fais énormément de kilomètres avec, et ça ne bouge pas, bah, même la 530D que je t'ai repris. Ouais, tout à fait. J'ai fait le Nürburgring avec, 300 000 km, c'est beau, hein. Blocage de pont dans le carrossel, rien. Ça bouge rien, pas, rien. Hein. Ça bouge pas, bah, c'est oui. Un clou à cercueil, c'est, ça bouge pas. Ah, c'est un tracteur. Donc, non, vraiment, rien à dire, RS. Donc les amis, l'intérieur de cette magnifique 540i, donc je rappelle qu'il y a eu un intérieur de M5 qui a été installé sur le véhicule. Comme on peut le voir avec les seuils de porte M5, le repose-pied, voilà les véritables sièges donc de M5. Voilà, ça c'est des pièces vraiment qui commencent à être introuvables. Donc bon, la boîte 6 qui a été installée, ça il n'y a pas de problème. Le compteur, vous voyez, donc magnifique compteur, véritable donc de M5. Et je pense même que la planche de bord a dû être, parce que je sais que sur les M5, c'est une option d'avoir, vous voyez, le cuir étendu avec les petites surpiqûres donc sur le tableau de bord en cuir. Et donc c'est vraiment magnifique. Avec le véritable également rétroviseur à l'intérieur. Hein, ça c'est une des particularités de l'AM5 avec cette forme-là. Et vous voyez le ciel de toit donc qui est noir hein, comme sur les M5 ou sur les Pakem de chez BMW. Donc voilà, c'est un intérieur quand même qui est très très sobre, beau. Bon, les boiseries, on aime ou on n'aime pas, hein, ça change, ça fait un petit covering. Mais voilà, il y a quand même, vous voyez, une belle finition pour l'époque. Donc, qui avait été fait avec les petites surpiqûres. Et je trouve vraiment cet intérieur incroyable.
Et voilà, c'est vrai que ça reste une des meilleures berlines pour moi, hein. Je suis pas neutre les frérots, mais ça reste pour moi une des meilleures berlines de tous les temps, la E39. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, il faut vraiment en avoir une pour comprendre. Et je sais que beaucoup de possesseurs, d'acheteurs donc de E39 sont passés sur la E60 et reviennent quelques temps après sur la E39 parce qu'il y a quelque chose qu'on ne retrouve pas voilà, sur les autres berlines, alors que sur la E39, voilà, il y a quelque chose de magique sur cette voiture. Donc les amis, nous voici à bord de cette magnifique 540i qui a eu une full prépa donc M5. On est sur l'autobahn, tout à fait. Voilà, donc c'est vrai que là, ça circule bien sur autobahn, donc il n'y a pas de problème, avec un bon V8. On a pris également une passagère qui aime bien les BMW, donc je pense que ça ne devrait pas tarder. Elle devrait bientôt en acheter une, je lui souhaite. Donc mon frérot, qu'est-ce que tu peux me dire sur ce véhicule, niveau prix, assurance, carte grise? Alors assurance, moi personnellement, j'ai 5-6 ans de permis, donc vous êtes aux alentours un petit peu moins de 100 euros, 60 euros, 60, ouais. 70 euros. Ok. Carte grise, c'est 21 jours fiscaux. Ouais. Après, voilà, plus de 10 ans, donc carte grise multi-prix. Yes. Et après, niveau entretien, bah, y a rien qui bouge, y a rien qui. C'est du costaud. Ça bouge pas. Bah, ça bouge pas. C'est BM et c'est surtout une E39. Voilà, ouais. Parce que tu sais, les E39, moi j'en ai eu un paquet et je peux te dire que. Ça bouge pas. Ouais, c'est l'une des meilleures berlines, tu vois, les plus abouties pour moi de toute l'histoire. Bah, ça revient plus cher une Clio DCI à changer les distries, les embrayages, les injecteurs. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a des très bons moteurs, même chez Renault. Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais il n'y a rien. Non, c'est clair. Évidemment, j'allais tous les 10 000, oui, BM préconise tous les 20 000, 25 000. Comme ils préconisent l'huile de boîte à vis ou une boîte automatique. Ouais, non, mais il ne faut pas les écouter ça, après. Voilà, ouais, tu le sais. Mais tous les 10 000, hein, voilà, de mettre la bonne huile toujours, temps de chauffe et voilà, enfin, l'entretenir, pour s'amuser. Et toi, mon frérot, est-ce qu'à la base, tu es plutôt un BMiste ou autre chose? Ben, j'ai eu la chance d'avoir le papa qui va dans la vidéo, qui était vendeur chez BM. J'ai grandi, je l'ai attendu des après-midi dans le garage, qui pour lui, au final, était mes plus longues années, mais était les meilleures pour moi. Ouais. Et du coup, voilà, j'étais bercé dans ça. J'ai grandi à l'arrière, sur la banquette arrière, partir okay. En France avec ça. Ouais. Et j'ai toujours entendu la sonorité du 6 cylindres et c'est fluide. Bon, là, c'est un V8, tu vois. Ouais, ouais. Attention, ouais, parce que sur l'autobahn, des fois, ils ont mis des pistes. Ouais, mais il va vite en plus. Ouais, voilà, c'est ça. Mais non, vraiment, c'est. Et voilà, j'ai mordu de ça. Après, voilà, hein, je suis passionné avant tout, donc demain, autant je roulerai en Jap. Hein, voilà, j'aime bien aussi la mentalité d'image Jap, mais voilà, je suis BM et. Ah, quand on est piqué, en général, c'est compliqué. Moi, c'est les meilleurs motoristes. C'est voilà, compliqué. Je vends des voitures, donc des fois, j'achète un petit peu tout. Bah, voilà, des merguez, hein, moteur fiable. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention. Et bon, il y a une application que vous connaissez tous, je pense que c'est historique, par rapport au kilométrage. Quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Là, c'est sûr, ouais. Ça, il faut faire attention. C'est vrai que ça se voit pas. Ça se voit pas. Mais par contre, quand même, qu'on le veuille ou pas, les anciennes BMW, c'est plus les BM de maintenant. Bah, je trouve qu'il y a plus le charme sur le plus récent. Il manque quelque chose. Voilà. Alors après, oui, on critique les grosses calandres. Bah, quand on les voit en vrai, suivant les voitures, je trouve quand même. Non, que beau, c'est chose, beau. Ouais. Ça, c'est dans le futur, tu vois. Beau, c'est beau. Le style est beau. Voilà, c'est ça. Et même, il y a des siècles avant. Enfin, des siècles. Tu m'entends parler quand je dis ça. BM pesait aussi les grosses calandres à l'époque. Eh ben oui. Les anciennes. Tout à fait, tout à fait. Mais il y a plus ce charme. On s'y retrouve, en fait. BM, c'est comme un petit peu Porsche. Même qu'on part dans une ancienne, après dans une plus récente, où quand même, on s'y retrouve. C'est ça, c'est ça. Ancienne, c'est ça, tout à fait. Moi, j'étais pas forcément ancienne. J'ai commencé avec la toute première BM, un 35 TD E36. La base. T'accélères, tu pleures quoi. À la base. Mais voilà, c'était costaud, c'était fiable. Et peu à peu, j'ai essayé de monter en gamme, d'évoluer du plus récent. Et le fait de repasser dans une ancienne, malgré que j'étais pas forcément mordu ancienne, de ressentir l'odeur du cuir quand on ferme la porte, le oui. Porte, c'est ça, c'est ça. Je pas notre porte, mais c'est ça qui est bon. C'est ça, c'est clair, c'est clair. C'est trop bon. Ah, je reconnais ce que tu dis là. Et au final, on n'est pas emmerdé. Alors certes, oui, il n'y a pas le grand GPS, les écrans, les. Il y a le GPS dessus, alors il n'est pas jour. Ouais, ouais, normal. Mais je le mettrai pas. Non, ça sert à rien. Non, mais on y est bien. En plus, on est confortable. On, voilà. On sent qu'on est sur du solide, tu vois. Là, c'est pas de la camelote. Bon, à part le clignotant, il y a pas un bruit. Il y a pas un bruit, hein, c'est clair. C'est clair, tout à fait. Ça bouge pas comme ça. Ah, tu parles inconvaincu, mon frérot. Ouais, c'est vrai. Tu le sais. Ah, oui, tout à fait. Du coup, bon,
parlera de prix. Ouais, je t'ai dit, tu sais ce qu'on va faire, on va se poser tranquillou, toi et moi. Ouais. Parce que, les frérots, c'est vrai que donc, cette voiture m'attire. Ouais. J'aime beaucoup cette caisse. Et c'est vrai que d'entrée, bon, déjà la E39, vous savez, moi j'en avais une, la 530. Bon, je voulais passer sur autre chose. Puis voilà, il y a d'autres surprises qui arrivent sur la chaîne YouTube là bientôt, vous allez voir. J'ai craqué un peu mon slip. Et, mais voilà, c'est vrai que j'ai jamais les deux caisses pour moi chez BMW, j'oublierai jamais, c'est E36 ou E39. Surtout la E39. Donc voilà, peut-être que je ferai affaire avec notre ami Yaya, on verra ça, c'est possible. Hein. Avec grand plaisir. Ce ne sera pas la première fois, et à mon avis. Exactement. Pas la dernière. Eh ben non, mais ça c'est sûr, ça c'est sûr. Mais voilà, ben, je sais que tu entretiens les voitures, hein, c'est ben, pareil. Toi c'est pareil, toi c'est pareil. Tu sais, avec Monsieur Mislik, ça accroche, vraiment, c'est vraiment pas mal. Qui est un petit peu dérangé, mais bon, j'ai envie de vous dire, vous savez que moi aussi, des fois, ça m'arrive quand on est allé voir Adrien ou quoi que ce soit, on était un peu dérangé, mais là, il y en a un autre qui est dérangé, mais ça fait plaisir, c'est des bons, c'est des bonnes personnes et ça chauffer les pneus, voilà. Ouais, voilà, mais là, ils sont chauds, ils sont chauds, les pneus là, ils sont en température comme une bonne viande, j'ai ouais, vu chalot, voilà, c'est à ça, point, à nickel, point, voilà, c'est ça, c'est à ce point, qu'il faut. Non, nickel, franchement, ça marche très bien. Là, on fait une reprise en deux. Très très fort les amis, on se retrouve vite à des hautes vitesses, on a un V8 qui nous berce, c'est juste magnifique. Les amis, voilà, monsieur Yaya m'a laissé le volant de cette belle 540i boîte manuelle. C'est vrai que ça fait plaisir quand même. Voilà, donc c'est que du bonheur. Là, le V8, il est vraiment très coupleux. Franchement, on n'a pas besoin de dépasser 2500 tours pour que le véhicule avance bien. C'est vraiment royal. La commande de boîte, comme d'habitude, ultra précise hein, chez BMW. On ne se lasse pas également aussi de cette course longue de l'embrayage qui avait été critiquée à l'époque de la sortie donc, du véhicule. C'est vrai que maintenant, j'aime bien dire ce genre de détails parce que, en fait, toutes les voitures qu'on conduit maintenant sont toutes en boîte automatique et on perd un petit peu cet ADN aussi de BMW avec leur boîte manu. Voilà, c'est vrai qu'on a une commande ultra précise et c'est vraiment un véhicule, vous voyez, qui ne s'utilise pas en fait... pour aller faire du run, pour aller voilà, faire n'importe quoi avec. C'est un usage vraiment GT pour cruiser, pour rouler, prendre autoroute, faire de la 2x2, sans jamais se lasser en fait du véhicule. Donc voilà, c'est un véhicule qui est sorti en 98. Et honnêtement, niveau sensation de conduite, de plaisir, c'est un véhicule qui donne beaucoup, beaucoup de plaisir. Donc pour ceux qui ont des 540i, entretenez-le parce que c'est vrai que c'est des véhicules en voie de disparition qu'on voit plus trop. Voilà, ici on veut aller chercher un petit peu. Ça marche pas mal, beaucoup même, ça marche très très fort. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, ça nous aura donné donc l'occasion de découvrir cette magnifique 540i, le potentiel avec la préparation, et voilà, qu'on le veuille ou pas, une E39 c'est une E39, pour nous, pour moi, pour beaucoup de gens, ça reste une des meilleures berlines de tous les temps, celle qui a été vraiment la plus aboutie, et c'est vrai qu'avec cette préparation qui a été faite donc sur cette 540i, voilà, on se lasse vraiment pas de ce V8 et de cette boîte méca. Mon frérot Yaya, merci beaucoup. Merci à toi. Bah, tiens, assuré comme d'habitude. À la prochaine. Je te check et sois surtout prudent avec cette caisse. Oui. Et il faut qu'on discute business après la vidéo. Ça marche. Voilà. Allez, ça roule. Voilà les amis, prenez soin de vous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.